je suis Mélinao. Je vous remercie de me recevoir chez vous pendant ces quelques minutes. Je voudrais aujourd'hui parler à ces personnes qui connaissent un changement radical dans leur vie, une situation qui fait en sorte qu'ils ont le sentiment que tout est noir devant eux, qu'il n'y a pas de solution. Vous n'arrivez même pas à voir une toute petite étoile scintiller dans le noir. Vous savez, quand on est dans ces moments, il est important de faire silence autour de soi. On peut avoir plusieurs voix qui se lèvent, des voix de personnes qui nous aiment très sincèrement, mais qui ne savent pas ce que nous traversons et qui ne comprennent pas ce qui nous arrive. Et ces personnes peuvent apporter des paroles de réconfort, certes, mais qui n'ont aucune résonance en nous. Ces personnes peuvent dire des choses qui sont complètement à l'opposé de ce que nous avons besoin d'entendre. Et je voudrais vous inviter à ces moments-là, si vous arrivez à ce stade plutôt, de faire silence autour de vous, de faire une pause. N'hésitez pas pour un temps à vous éloigner, mais de façon correcte. Pas du tout en rejetant les gens, mais de façon correcte, en faisant comprendre que vous avez besoin de silence, vous avez besoin de temps. Autour de vous, il peut aussi y avoir des personnes qui ne sauront pas aussi ce que vous traversez, mais qui auront les paroles, qui auront les mots, qui apporteront un baume à votre cœur. Je pense qu'au travers de ces personnes, quand vous leur permettez ou vous leur donnez l'autorisation d'être à côté de vous, vous laissez l'opportunité à Dieu, au Saint-Esprit, de vous parler au travers de ces personnes qui sont des instruments de la grâce et de l'amour de Dieu. Et pour finir, je voudrais tout simplement vous dire de ne pas vous décourager. Jamais. Quelle que soit la difficulté que vous traversez, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit une rupture, une séparation, une maladie, il y a toujours un espoir avec Dieu. Il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir parce que Dieu nous aime. Alors, soyez encouragés.